Alors tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Je vais vous présenter une courte théorie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Pokémon. Ash parcourt le monde dans un seul but, c'est de devenir maître Pokémon. La théorie est que Ash est maître Pokémon. On sait que à chaque fois que Ash a tenté de battre l'élite Pokémon, peu importe la région, il n'est jamais sorti vainqueur. À moins qu'il va devenir maître Pokémon de la région d'Alola. Qui sait? Pas convaincu? Laissez-moi vous expliquer. Comme je le disais, Ash n'a jamais remporté la Ligue Pokémon. Car il y a une seule et unique raison. Tout simplement pour prolonger la série. Dire qu'il y a pratiquement 1000 vidéos de Pokémon. C'est la plus longue série. Pour les 20 ans de Pokémon, la compagnie Pokémon a changé le gameplay en n'ayant pas aucune arène Pokémon, mais tout simplement des épreuves. On s'égare un peu, mais je m'en venais à la théorie. Habituellement, dans la région d'Alola, on fait le tour des îles et une fois fini, il y a une fête pour fêter la personne qui a terminé le tour des îles. Cette fois-ci, le professeur Kukui organise une ligue Pokémon à Alola pour montrer au reste du monde la puissance d'Alola. Ce qui veut dire, une fois le tour des îles terminé, le professeur Kukui a créé une ligue Pokémon. Ash sera le premier maître Pokémon de la région d'Alola. Et du coup, réaliser son rêve d'être maître Pokémon. Comme qu'il voulait être cela depuis la première saison de Pokémon. Donc, il était accompagné de Missy ainsi que de Brock. Vu que Ash sera maître, que se passera-t-il? Vous le saurez dans la prochaine théorie Pokémon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette courte théorie. N'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous en pensez de cette théorie. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google Plus, Twitter, car tout le monde est le bienvenu. Alors, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle théorie Pokémon. Alors, je vous dis merci à tous.